Bonsoir. Il n'est pas dans les habitudes de Thalassa d'opérer des changements dans la programmation des émissions. Mais il arrive que l'actualité maritime et surtout les problèmes qui découlent de la vie en mer nous obligent à un petit peu bousculer les prévisions. Ce soir, nous avions prévu de diffuser les courses de péniche en Hollande de Claude Rive et Erwan Kéméré. Alors, toutes nos excuses aux confrères de la presse hebdomadaire, mais ce reportage, primé au Festival international du film de voile de La Rochelle, sera diffusé, non pas ce soir, mais le 12 décembre, c'est-à-dire dans 2 semaines. Ce soir, je vous propose de traverser l'océan Atlantique pour accueillir le commandant Cousteau, qui cette semaine a achevé une traversée d'est en ouest à bord d'un catamaran propulsé par une turbine à vent, qu'il a d'ailleurs baptisé Moulin à vent. Parti des côtes marocaines, le procédé a fait ses preuves jusqu'aux Bermudes, mais là, une tempête a eu raison de quelques soudures. Ce soir, le commandant Cousteau tire les conclusions de cette première expérience. Mais je voudrais tout de même préciser un petit peu les choses. Il faut comprendre qu'il s'agit d'une expérimentation. Alors certains pourraient songer à un gadget ou à une lubie. Quelles que soient les péripéties de cette expérimentation, le but recherché est l'économie de 30 à 35% de l'énergie nécessaire à la propulsion des navires de commerce. Alors par les temps qui courent, le jeu en vaut la chandelle. Bienvenue à bord du Moulin à vent. Un reportage de Yves Bruno et Michel Basile. Leurs sourires n'arrivent pas à cacher leur fatigue. Après 40 jours de mer, dont 10 d'une très forte tempête, l'équipage du Moulin à vent amarre le catamaran au quai P de Norfolk en Virginie. Il est 23 heures sur la côte est des États-Unis, 5 heures du matin en France, et Pierre-Yves Cousteau, à 73 ans, vient de réussir une nouvelle expérience. Ici d'ailleurs à Norfolk, on ne s'y trompe pas et l'événement occupe la une de l'actualité. Et pourtant, à quelques mètres de là, 2500 marins retrouvent leur famille après 7 mois de mer qui les ont menés à Beyrouth et à la Grenade. Pour la 20e ou 30e fois, Cousteau raconte comment avec 5 de ses compagnons, il vient de prouver qu'un navire, en l'occurrence un catamaran, peut être propulsé par un moteur à vent. How did you get the idea? Because we want. Et pour la 20e ou 30e fois de la journée, il raconte l'autre événement de cette aventure, la perte du cylindre de 13,50 m qui renfermait la turbine. Il a été littéralement cisaillé à la base, 3 jours avant, par une rafale de vent de 90 km/h. Ce jour-là, le moulin à vent qu'avait rejoint la Calypso se dirigeait vers New York, où l'attendait un accueil triomphal. C'était le 17 novembre, il était 2 heures du matin. And according to Cousteau, that journey should get underway within a year. Gene Cap, WTKR News, Norfolk. J'étais de quart de 2 à 5 sur un massal en plein vent, là. Dans une tempête épouvantable, 50 nœuds de vent, mer force 8. Certains disent mer force 9, Falco qui a l'habitude d'estimer force 9, moi j'estime force 8, c'est déjà énorme. On était balayés par le vent, par les embruns, par les paquets de mer, par tout ce que vous voulez, sur ce petit bateau de rien du tout. Et à un moment donné, donc j'ai préparé mon quart à 2h, vers 2h20, tout d'un coup j'entends un claquement qui se répète. Et je comprends que c'est un des tirants qu'on avait installé pour essayer de raidir le mât dont les soudures avaient lâché avant les Bermudes, qui venait de céder. Oh là là, alors à ce moment-là, j'ai pris ma lampe torche, j'ai dirigé depuis la passerelle mon faisceau de lumière sur la base et j'ai vu que le mât jouait de 5 ou 6 cm à chaque coup de roulis. J'ai compris qu'il allait tomber. À ce moment-là, il y a Bertrand Charrier qui a fait surface parce qu'il avait été alerté au milieu de la nuit par le même bruit et on a dit il va tomber. Alors vite, j'ai coupé le pilote automatique, pris la barre, j'ai mis le bateau en fuite, vent arrière, de façon à ce que le mât ne tombe pas sur la figure. Effectivement, il est tombé sur avant, juste après que j'ai fini la manœuvre. Ça a été ric-rac. Et tomber sur avant, c'était le seul endroit où il pouvait tomber sans faire de dégâts. C'est ce qui s'est passé. S'il est tombé sur l'arrière, il cassait tout, il cassait le truc, et peut-être nos crânes. Alors, il n'y a eu aucun blessé, c'était l'essentiel. Le bateau n'avait pas d'avarie grave, c'était l'essentiel aussi. Nous étions escortés par la Calypso, donc on n'était pas en perdition. On s'est mis aussitôt au travail pour réparer les choses, parce qu'il y avait quand même
l'antenne VHF qui est partie, l'antenne des satellites de navigation il est parti sur le mât, il n'y a plus d'anémomètre, on ne savait plus ce qu'on faisait, le compas était derrière.